Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour vous montrer un petit peu mes créations Show and Flowers. Donc j'ai pas fait enfin, je me suis pas filmée pendant que j'étais en train de le faire pour la simple et bonne raison que ça m'a pris plusieurs jours. Je me suis bien amusée, j'avais envie de donc ça c'est rien du tout, ça c'était 3 minutes avant de me coucher hier soir. La palette d'aquarelle était encore là, donc voilà. Je me suis bien amusée avec tout mon matériel. Donc je vais vous montrer tout d'abord ce que j'ai utilisé. Voilà. Donc c'est un espèce de petit carnet d'art journal en devenir. J'ai été inspirée beaucoup par Pink Lola, même si je ne peux pas dire que j'ai suivi son tuto parce que nos résultats sont absolument incomparables. Mais voilà, donc j'ai 3 vidéos de Pink Lola qui m'ont inspirée. La première où elle présentait un art journal de format carré, donc j'ai beaucoup hésité à Chambéry à l'acheter, ce petit carnet là qui est en vente chez Show & Flower, et puis je ne l'ai pas pris, donc mais j'avais envie de ce format carré, pas très grand, voilà. Ensuite l'atelier que j'ai réalisé avec elle, ainsi que une de ses vidéos carnet de voyage. Et la troisième, c'est un art journal dans lequel elle a recollé des choses. Alors que dans le carnet de voyage, par contre, c'est tout plat. Elle travaille beaucoup avec les caches. Voilà. Donc, j'ai fait tous mes caches au fur et à mesure. Je faisais mes tampons, je faisais des caches. Je les ai beaucoup fait. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Je les ai beaucoup fait sur mon papier autocollant, là, comme ça. Qui s'appelle Masking Sheet, donc qui est fait pour, mais par contre sur cela c'est à usage unique. Très souvent quand on l'enlève on peut pas le récupérer, alors que le post-it, et bien ma foi, ça peut rester. Donc j'ai utilisé ça s'appelle les illustrations à découper, donc de la collection Nautique. J'ai utilisé ma petite boîte de sardines qui dataient de la collection Couleur Océan. Je crois que c'est le seul que j'ai de cette collection là. Ensuite j'ai utilisé le soleil de Cyclique. J'ai utilisé, d'ailleurs je ne l'ai pas nettoyé, la planche bleue. Donc, je l'ai mis dans la couleur assortie. Donc ça c'était de la collection Journal Chromatique. Ensuite, j'ai utilisé ce tampon de la collection Little Circus. J'ai utilisé cette planche de texte. Donc ça, c'était Cyclique également. La planche texture de la collection Journal Chromatique. Comme ça, vous avez toutes les références. C'est un peu mieux. Et ensuite, j'ai un chat dans la gorge. Ensuite, le pochoir. Donc, celui-là, il s'appelle Duo quelque chose, je sais, mais je ne sais plus quoi. Duo Memories. Donc, ça, c'était de la collection Voyage Imaginaire. Ensuite, j'ai utilisé les deux des pochoirs de la collection Nautique. Et ensuite, j'ai utilisé tout ça de la collection Nautique. Donc, je vous les remontre un peu vite fait. Tac. Donc ça, c'est une planche cadeau, mais quand même, elle était bleue, je l'ai associée à Nautique. Voilà. J'ai pas toute la collection, hein, loin de là.
concrètement, celui avec la carte postale. Vraiment, celui-là, c'est quelque chose que je... dont j'ai envie. Et il y en avait un autre. Mais je ne sais plus. Donc, je vous disais, j'ai pris les illustrations à découper. Je les ai toutes découpées pour que ce soit plus pratique au moment 2. Après, ce n'est pas mon élément principal, mais vous verrez après. La particularité de cet album, c'est que je n'ai pas utilisé de noir. J'ai utilisé du bleu. Donc ça, c'est la Versafine Clair Beau Bleu. Et ensuite, j'ai utilisé une Distress Ink. Alors, c'est que c'est l'Evergreen Boss. Je ne l'ai pas en Oxide. Donc, voilà pourquoi je l'utilise en ink. Voilà. La Vintage Photo. La Spiegle Egg. La Mermaid Lagoon. La Mustard Seed. Un tout petit peu de Tatter Roads. Mais vraiment un tout petit peu. Ensuite... j'ai évidemment utilisé de l'aquarelle. Donc ça, c'est une palette Prima. C'est la Tropicale de chez Prima. Oula, je vous fais bouger. Et j'ai peut-être utilisé ma sennelier à quelques endroits. Peut-être. Je ne me souviens plus très bien. C'était toute la semaine. Et celle-ci, c'est les néons de Art by Marlène. Donc, voilà. J'ai pioché à droite, à gauche. Voilà. Donc, comment j'ai procédé comme Pinkola nous l'avait montré en atelier, j'ai fait un montage sur ma page avec mes tampons. J'ai mis des caches. J'ai retamponné un peu autour. J'ai colorisé à l'aquarelle une première fois, un peu tout. Ensuite, je suis revenue avec du pochoir, des tampons de fond. Ensuite, je suis venue apporter des détails à la colorisation, soit à l'aquarelle, soit au marqueur, avec les Derwent d'ailleurs. Et je crois que c'est tout. Donc je suis très contente du résultat, même si on est très très loin de l'idée de celui de Pinkola. Mais enfin, je suis quand même très contente. Donc j'ai fait 4 feuillets. Tac. Et je vais essayer de vous les montrer pas trop mal. Voilà. Donc là, j'avais tamponné la sirène, le crabe, les fleurs, les plantes. Et après, je suis venue travailler autour avec mes caches. Donc, j'ai mis symphonie sur chaque page avec le numéro de la page. Je vais ensuite les assembler comme ça, dos à dos. Et quand j'en aurai marre de faire du nautique, quand j'aurai décidé que nautique, c'est terminé, eh ben, je ferai une couverture et tac. Voilà, là, j'en ai fait 4, mais... pourquoi c'est pas plié droit là? Là j'en ai fait 4, mais autant j'en referai après. Hop! Donc la première, vous l'avez vu. Hop. La seconde. Je vous mettrai juste après le bureau dans l'état où il était à la fin de la semaine. Et ensuite, je vous mettrai des photos, vous verrez un peu mieux les détails. Donc, ça manque de blanc pour ressembler à un carnet de voyage où on a vraiment des zones bien avec du blanc. Alors, chez moi, le blanc, il n'y en a pas. Mais je suis quand même très contente du résultat. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous mets des photos, je vous laisse avec les images.
J'espère que le bruit ne sera pas trop inconfortable puisque j'ai allumé le ventilateur. Mais bon, il fait 37 degrés facile, donc pas le choix. J'espère que ça ira. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Bonjour à tous. Je vais vous présenter mon amusement, mes essais avec Shoe and Flowers. Je voulais juste vous montrer dans quel état était mon bureau depuis plusieurs jours, puisque c'est un projet qui m'aura occupé quelques jours. Voilà, je me suis régalée. Hop, vous l'apercevez au bout là-bas. Tac, tac, tac. Voilà, donc je nettoie, je range et je reviens.